Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr, je vous en prie. Si. J'ai vu que vous étiez sale, alors je me suis permis de vous payer un verre. J'espère que ça ne vous a pas embarrassé. Pas du tout. Je vous remercie. C'est rien. Mais je me présente. Christophe de Vallon. Julie Debré. Enchanté. Christophe de Vallon. C'est très aristocratique comme nom, êtes-vous d'ici? Ben, je suis descendance étrangère. Mes ancêtres étaient de nobles. Très puissants. Ah, très impressionnant. Pas du tout. Les vôtres le sont davantage. Ah, vous savez qui je suis? Qui le sait pas? Le monde de la finance ne parle que de vous. Madame Julie Léonard Debré. Présidente des entreprises Debré. Eh ben, je suis flattée. Je savais pas que ma nomination avait eu tant de répercussions. C'est un peu aussi la raison de mon intrusion. Je tiens à vous féliciter. J'ai tendance à admirer les femmes de carrière. Et vous en fréquentez beaucoup? J'en ai connu quelques-unes, effectivement, mais jamais aussi belles que vous. Vous devez être une ennemie redoutable, Madame Debré. Vous alliez pouvoir et beauté, une combinaison dangereuse. Merci du compliment, mais je crois pas que mon aspect physique soit un atout. Bien au contraire. J'ai beaucoup de difficultés à prouver ma crédibilité auprès des hommes d'affaires. Je me rends compte de plus en plus qu'il n'y a rien qui a changé. Les hommes sont encore misogynes. Ben, pour la plupart. Pourquoi cette précision? Bon, parce qu'il ne faut pas généraliser et que je ne voudrais pas vous insulter. Peut-être êtes-vous un de ces rares hommes qui ne perçoivent pas la femme au pouvoir comme une menace. Mais je vous assure que vous êtes une menace très agréable. Dans quel domaine êtes-vous? J'aime pas beaucoup parler de mon travail. Disons que je suis un conseiller financier pour des clients particuliers. Oh, intéressant. On s'est peut-être déjà rencontrés. J'en doute. Vous n'êtes pas du genre qu'on oublie facilement. Ah! Eh bien, on peut dire que vous savez parler aux femmes. J'espère que je vous ai pas insulté. Non, non, pas du tout. Même que je dirais que c'est assez agréable. Surtout si t'en dis. Merci, Alberto. Problème de cœur? Non, pas vraiment. Disons que j'ai parfois l'impression d'avoir laissé passer de belles occasions au profit de ma carrière. Ambitieuse. Vous avez l'air de bien me connaître. Ben, j'ai suivi le cheminement de votre famille au fil des années. Journaux, entrevues, reportages. Vous avez une famille fascinante. Le mot est faible. Est-ce que je décèle de l'amertume? En toute franchise, je dirais que ma famille est pour le moins inusitée. Je pourrais écrire un roman sur toutes ces péripéties, ces problèmes. Oh, excusez-moi, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je vous remercie de votre confiance. Contrairement à ce que vous pourriez penser, je cours pas les présidents de multinationales à l'heure du lunch. Non, ça faisait quelques minutes que je vous regardais, puis j'osais pas vous aborder. Ben, je suis contente que vous l'ayez fait. J'apprécie votre compagnie. Dites-moi, Julie. Pardon. Est-ce que je peux vous appeler Julie? Oui, oui, bien sûr. Bon, parfait. Dites-moi, Julie, est-ce que vous croyez au coup de foot? Je sais pas. Quelle question, non? Allez, répondez. Faites un effort, jouez le jeu. Je trouve que vous êtes drôlement indiscret et impertinent. Auriez-vous peur de répondre? Oh, non! C'est pas ça. Non, je dois avouer que j'ai jamais eu de coup de foudre, comme vous dites. J'ai eu peu d'hommes dans ma vie. J'en ai aimé qu'un seul, enfin, je crois. Et on s'est fréquenté longtemps en copains avant de vivre ensemble. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, les événements nous ont éloignés. Malgré bien des efforts, on a eu beaucoup de difficultés à se retrouver. Ah! Quand la passion est plus là, il vaut mieux séparer. Est-ce que vous êtes une passionnée? Oui, je crois que je peux l'être. Dans tous les domaines? Disons que je me donne tout entière quand quelque chose m'intéresse. Vous êtes à la hauteur de mes attentes. Et mon instinct me trompera.
Est-ce que je peux vous offrir un autre verre? Je suis désolé, je dois filer. J'ai rendez-vous très important dans ma vie. J'étais très heureux de vous rencontrer, Julie. J'espère que le destin vous placera à nouveau sur ma route. La vie prend quelquefois des détours imprévisibles. Et puis, comment va Marie? Oh, ça va. Elle finit par se faire LD. Ça n'a pas été facile. Hey, Sébastien, toi qui es médecin, tu penses-tu que c'est possible qu'elle l'ait vraiment aimé? Je veux dire, malgré tout ce qu'il a fait? Écoute, la psychologie, c'est pas ma branche, mais remarque que c'est fort possible. Il y a des femmes comme ça qui, inconsciemment, recherchent des hommes violents. Puis même si elles souffrent beaucoup, elles sont vraiment attachées à ces gars-là. Ça peut être dû à un traumatisme dans leur enfance ou encore à une insécurité chronique. Ma mère, elle m'a dit que son père y abattait quand elle était jeune. Non, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait. Les enfants des milieux violents vivent dans une terreur. Ils grandissent dans une terreur. Ils connaissent rien d'autre. Alors, ça se peut qu'inconsciemment, lorsqu'ils deviennent adultes, ils recherchent le même climat, le même milieu. Ça devient un cercle vicieux déplorable. Tu sais, David, Julie m'a parlé d'une thérapie pour ta mère. Je dois t'avouer que j'approuve ça à 100%. Mais pour l'instant, ça ne tente pas trop. Ben, peut-être qu'il est trop tôt. Peut-être, David, mais si j'étais à ta place, moi, je m'arrangerais pour insister, hein. Parce que si ta mère ne se débarrasse pas de ces fantômes, là, elle risque de se faire avoir encore une fois. Qu'est-ce que tu veux dire? À l'hôpital, on a souvent des femmes battues qui viennent se réfugier. Puis très rarement, elles vont porter plainte contre leur conjoint. Si jamais elles réussissent à les quitter, c'est pour retrouver un homme identique au premier. Il tombe amoureuse du même genre d'homme? C'est incroyable. Ah oui. Dans la plupart des cas, en tout cas. Mais ce que dis-toi une chose, pour ces femmes-là, ça fait partie de leur quotidien. C'est pas facile de s'en sortir. Ils ont besoin d'aide, ces femmes-là. Ben, c'est insensé. Il faut être masochiste pour accepter d'endurer ça une deuxième fois. Je pense pas que ma mère fasse cette erreur-là. Je le souhaite sincèrement, David. Je le souhaite sincèrement. Tu sais, depuis que Julie et moi, on s'est quittés, toi et moi, on se voit rarement. Je voulais que tu saches que je t'aime autant puis que tu peux me demander n'importe quoi. Je sais. Et moi aussi, je t'aime encore. Pourquoi tu me dis ça, là? Parce que je comprends pas pourquoi tu m'as pas fait part de tes intentions avec ta mère. Et ton manque de confiance, là, ça m'a fait beaucoup de peine, David. Je te demande pardon, mais je voulais pas t'embêter avec ça. Julie m'a fait le même reproche. C'est pas parce que j'ai pas confiance en vous autres, mais c'est quelque chose que je voulais faire seul. Puis je sais que vous vous inquiétiez pour moi. J'avais peur que vous m'arrêtiez. En tout cas, je suis fier de toi quand même, malgré tous les risques que t'as pris. Comment va Julie? Ah, ça va, ça va. Mmh. Je la vois pas souvent avec sa nouvelle job. Ça l'occupe beaucoup. Patrick, lui? Il l'a quittée en désespoir de cause. Ben, c'est vrai qu'elle l'aimait pas bien. Ah, ben c'est dommage. Je pensais qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un avec qui elle s'entendait bien. Puis toi, comment vont les amours? Ah, moi, ça va très bien, là. Je suis toujours avec Cathy. Mm-hmm. Je suis très heureux, tu sais. C'est une femme extraordinaire. J'ai hâte que tu la rencontres. Ouais, moi aussi. On fera une petite sortie à quatre avec Martine. Ah, avec Martine? T'es toujours en amour, toi. Toujours. Hey, on va-tu manger? Mon ventre commence à crier. Bon, c'est une bonne idée, ça. Je t'emmène. C'est moi qui paye, je te gâche? Ah. Bon. Séduisante. Envoûtante. Incroyable. Navy. Éblouissante, audacieuse, spectaculaire. Navy, toujours impeccablement vous-même. Navy de CoverGirl, la fragrance nette et classique. J'aime que mes lessives sentent frais pendant des jours, mais je tiens pas à passer mes journées dans la salle de lavage. Alors j'ai changé pour le nouveau Bounce toujours frais. Maintenant, la fraîcheur dure jusqu'à 5 jours. Seul Bounce toujours frais prolonge la fraîcheur dans le temps. La fraîcheur se dégage lentement, jour après jour, après.
frais jours. Ça sent le frais. Et je l'ai lavé il y a 5 jours, mon cher. Changez pour le nouveau Bounce toujours frais. La fraîcheur va durer jusqu'à 5 jours. Presque un adulte sur 3, passé l'âge de 25 ans, aura au moins une carie à la racine des dents. Avec le temps, il peut y avoir récession naturelle de vos gencives. La surface des racines reste exposée et vulnérable aux caries. Aider à prévenir ces caries, c'est possible. Votre dentiste en a la preuve. Seule la formule de Crest avec 100% de fluorure de sodium a prouvé qu'elle aidait à prévenir les caries à la racine des dents. C'est le plus recommandé par les dentistes et les hygiénistes. Crest, parce qu'une seule carie à la racine est une carie de trop. Quand Michel attrape un rhume, il devient un gros bébé qui a besoin d'aide. Mon aide. Et celle de Vicks Vaporub. Vicks Vaporub a des vapeurs médicamenteuses qui soulagent à 3 endroits. 1. Sur la poitrine pour soulager la congestion des voies respiratoires. 2. Sur le dos pour réchauffer les muscles endoloris. 3. Sur la gorge pour soulager la méchante toux. Une chance qu'on a Vicks quand le rhume nous visite. Vicks Vaporub existe maintenant aussi sous forme de lotion non graisseuse. Laisser certains choix au hasard, c'est jouer avec l'avenir. À l'heure des grandes décisions, misez d'abord sur l'information. Allez au cœur des choses avec le réseau TVA. Face à face 92, lundi 21h. À notre prochain rendez-vous au Match de la vie, nous vous amenons avec nous en Israël et dans les territoires occupés où vivent des milliers de Palestiniens. Mardi, 21h. Julie Léonard? Oui, c'est bien moi. Tu me reconnais pas? Claudine. Claudine Lapierre? Pourquoi c'est là? Claudine! Comment ça va? Oh, mais ça fait tellement longtemps! Oh, 13 ans! Arrête! J'en reviens pas, Claudine. Mais qu'est-ce que tu fais? Habites-tu toujours Montréal? Oh non, j'habite le West Island maintenant. Mon mari a ses bureaux centre-ville. Ton mari? Eh oui! J'ai épousé Michael il y a 5 ans. C'est plus Claudine Lapierre, c'est Claudine Collins. C'est un anglophone. Oh, il est fantastique. T'as l'air amoureuse. As-tu des enfants? Non, pas pour l'instant. Mais avec nos deux carrières, on n'a pas tellement de temps. Dans quel domaine es-tu? T'es présentement dans mon domaine. Cette boutique m'appartient, ainsi que 2 autres. Un cadeau de Michael. Mais ça, alors quelle coïncidence! Tu peux le dire? Et toi, attends que je me souvienne. Tu voulais devenir psychologue ou travailleuse sociale. Ah, oh, mon Dieu, ça fait longtemps. Donc, j'ai changé d'orientation. Mm-hmm. Dis-moi, as-tu le temps pour un verre? J'ai des millions de choses à te dire. On pourrait aller au restaurant? Excellente idée. Où veux-tu qu'on se retrouve? Je pense te prendre dans 1 heure. Parfait. Je dois te quitter. J'ai une grosse cliente. À tout à l'heure, Julie. À tout à l'heure. Claudine Lapierre dans le commerce, j'en reviens pas. Salut, mon Bruno! C'est pas le grand Bob Leclerc. Ça fait un maudit bout de temps que je t'ai pas vu à Binet. Mais ça fait un bout de temps. Qu'est-ce qui t'était passé? Disons que j'ai pris des vacances forcées. Veux-tu m'asseoir? Ouais. Des vacances forcées? Ouais. J'ai fait un esti gros coup d'argent dernièrement, puis j'avais la SQ aux fesses. Ça fait que j'ai décidé d'aller me faire griller le bacon en Floride. Avec les hivers qu'on a, ça fait pas de temps. Je me plains pas. Mais c'est pas pour ça que je cite. J'ai entendu dire que Couleuvre s'est fait descendre. Pas des rumeurs. 6 pieds sous terre. Sacrement, ça se peut pas. Il a réussi à se pousser des bœufs pendant 5 ans. Il n'a même pas été capable d'éviter une balle. Hey, qui c'est qui l'a tiré? J'ai entendu dire qu'il y avait eu des troubles avec Jim Prévost. Jim Prévost n'a rien à voir là-dedans.
C'est sa blonde qui l'a tué. Hé, hey, tu me laisses, là. Sa blonde? Ah ben, ça, c'est une poutre. C'est sa bonne femme qui l'a eue. J'espère qu'elle réalise que ses jours sont comptés. Fleuve, il n'y avait pas juste des ennemis. Écoute, Leclerc, tout le monde sait dans le milieu que c'est de la légitime défense. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu Couleuvre. C'est un vrai malade. En plus, ça faisait 10 ans qu'il abattait. Le jour du meurtre, le fils de sa blonde s'est présenté à la maison. Couleuvre a capoté et il allait le tuer. Marie n'avait pas le choix de le tuer. Pas le choix, mon tu. Couleuvre, c'était mon chum, OK? On a fait du temps ensemble. Il en savait des affaires. Il m'a jamais stoulé. Il méritait pas de se faire abattre par une chienne. C'était pas de sa faute. Elle a été acquittée. Moi aussi, je le connaissais, ça fait 15 ans, Couleuvre. Il m'a dit une chose, par exemple. Que la balle qu'il a eue là, il l'a méritée. Il l'a fait assez baver. Ben, si elle n'était pas capable d'en prendre, rien qu'elle le laisse, tu sais. Anyways, comment est-ce que tu m'as dit qu'elle s'appelait? Marie. Marie Côté. Je savais-t-il. Ton gibon. Ah, parce que tu la défends en plus. Coudonc, t'es-tu en amour avec, sacrement? Ben non. Anyway, je vais m'arranger pour y dire 2 mots. Pas besoin de ça, t'es assez bouleversé de même. Je comprends. Moi aussi, si j'avais tué Couleuvre Belle Humeur, j'aurais peur en maudit. Retourne-toi donc, il y a une fille au bar, elle a l'air à chercher quelqu'un, t'as connais-tu? C'est Marie. Elle est pas là de pantoute. Marie. La femme de Couleuvre. C'est ça. Ça s'en vient par ici. Je t'avertis, hein? Fais pas de niaiserie. Ben non. Je toucherais pas à ta putain. Salut Bruno. Salut Marie. Je vais te mettre du visite. Merci. Oui. Merci. Je te présente Bob Leclerc. C'était un ami de Couleuvre. Ah bon? T'as voulu apprendre ce qui s'est passé? Ben oui. J'en suis pas encore revenu. Une bière, s'il te plaît. Bruno vous a sûrement expliqué que Oui, il m'a tout expliqué ça. Mais ce qui me surprend encore, c'est que Couleuvre m'a jamais parlé de toi. Hein? Petite femme de main. Merci. Hé, hey, t'es bien nerveuse, Marie. T'as-tu peur de moi? C'est-tu parce que j'étais un grand chum de Couleuvre que t'as peur de moi de main? Mais non, pourquoi? Mais non, pas toutes. Excusez-moi, je vais prendre une petite. Leclerc. Mon grand Leclerc en marre, si tu l'approches, je te tue. As-tu compris? Du calme, mon Bruno, je ferais pas de mal. Même qu'au contraire, elle me plaît beaucoup. Puis avec Couleuvre qui est mort, elle doit se sentir bien de ça. Fais attention, mon homme. Je pourrais bien essayer de te piquer. Grand, tu veux me faire plaisir? Ouais. Tu me fais un beau grand ménage du garage. Tout ce qui traîne, là, tu mets ça dans les poubelles. Tout! Tout! C'est quand même pas faire ton ménage habillé de même, hein? Pour la performance et l'économie, voyez la Storm chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. Pour le goût et pour la vie.
C'était ici. Ah, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'avais 12 ans. On s'était donné rendez-vous là, à midi. Elle avait une petite robe fleurie. Il n'y en a pas un qui voulait débarquer de son baiser, que je te dis que je tenais mes poignets serrés. Nicole, elle s'appelait. On s'est d'abord regardé une grosse minute, puis on s'est embrassé. Pas sur la bouche, mais presque. On avait tous les deux les joues rouges, les mains froides. Puis quand j'y ai mis la main sur l'épaule et que j'ai touché à ses grands cheveux bouclés, j'avais des frissons partout. Puis on était en plein milieu de l'été. Découvrir un million avec la nouvelle loterie Million instantanée, c'est un puissant frisson, ça aussi. Pour la première fois au Québec, grattez 3 fois 1 million et vous appartient. Million instantané, le grand frisson. Merci. Merci. Comme ça? T'es présidente des entreprises de Brie. C'est très récent. Lorsque j'ai aperçu la limousine qui venait me prendre à boutique, je me suis doutée que t'étais pas travailleuse sociale. Mais t'as de la pensée que t'étais à la tête de la compagnie. Mais j'ai été travailleuse sociale. Ah oui? Oui, j'ai adoré ça. Mais il y a 2 ans, on m'a offert du travail à compagnie, puis j'ai eu la piqûre. Alors, quand Jean-Philippe a démissionné et qu'il m'a nommée à la présidence, j'étais déjà un cadre actif au sein de la compagnie. On peut dire que t'as fait du chemin. Hein? Je me souviens de toi, avec tes longs cheveux tressés. Tes jeux peintures. Un tour macaron, puis celle-là. Tu voulais changer le monde. Mais je veux toujours le changer. Je m'y prends autrement. Mais moi, je me souviens de toi, par exemple. T'étais la terreur. Oh, tu pensais là. Hey, je me souviens, tu t'évadais le soir, tu revenais au matin, tu sortais avec 3 gars en même temps. Puis en plus, tu faisais les pires mauvais coups. T'étais le cauchemar des bonnes sœurs. Puis là, regarde-toi. T'es rendue mariée. Oh. Avec 3 boutiques de luxe, des manières de grande dame. Oh. T'es une vraie femme du monde. On a bien réussi, non? Je bois à notre réussite. Et à notre amitié. Toi, t'es jamais mariée? Non. Non, j'ai vécu 7 ans avec un homme, Sébastien, un jeune médecin. On a été très heureux jusqu'au jour où il décide soudainement de quitter pour l'Afrique avec Médecins sans frontières. Oh, j'ai pas voulu le suivre. Non? Non, je pouvais pas tout abandonner derrière moi. Puis quand il est revenu, j'avais déjà commencé à travailler à compagnie. J'étais très prise par mon travail, puis on s'est jamais vraiment retrouvés. C'est dommage. En fait, j'ai jamais pardonné d'être partie, puis lui, il m'a jamais pardonné de pas l'avoir attendu. Mais c'est pas si pire parce que de notre union est né mon beau petit Julien. Ah! Car... Oh! Il est beau, hein? Oh, quel adorable petit garçon! Quel âge a-t-il? Il va avoir 5 ans en avril. Puis Sébastien, tu le revois? Rarement. Disons que notre séparation a été plutôt brutale. On est resté amers. Non. Mais on a refait notre vie, chacun de notre côté. Puis on se revoit aux anniversaires de Julien, David. David? Oh, David, c'est un jeune adolescent qu'on a adopté. C'était un jeune garçon qui avait des gros problèmes et venait d'un milieu instable et très violent. Je m'occupais de son dossier quand j'étais à l'aide sociale. Alors, Sébastien et moi, on a décidé de lui offrir un foyer normal. Et puis maintenant, il a 17 ans, il a d'excellentes notes à l'école, puis on est très fiers de lui. Chapeau, c'est très noble de votre part. Puis tu vis seule maintenant? Ben, je vis au domaine familial avec Julien. Oh. J'avais quelqu'un dans ma vie, mais il est parti. Puis c'est de ma faute. Bon, je répondais pas à ses avances, puis lui, il m'aimait à la folie. Mais ça pouvait pas marcher. Tu comprends, il manquait... Ben, il manquait la passion. Je crois que c'est exactement ce qui manque dans ta vie, la passion. C'est-tu ce que t'aurais besoin, toi? Une aventure torride avec un bel homme mystérieux. Tu lis trop de romans. Mais c'est drôle que tu me parles de ça parce que justement... Justement quoi? Oh, tu vas peut-être me trouver ridicule, mais ce midi, je pense que je l'ai rencontré, ce bel homme mystérieux. Tu vois, c'est possible. Allez, je veux des détails. Il n'y a rien à dire. Ben, je l'ai rencontré au restaurant, ils m'ont offert un verre et ils m'ont félicité pour ma nomination. Puis je crois qu'il m'a fait la cour. Puis pas très subtilement, par ça. Il est bel homme. Disons qu'il fait tourner les têtes. Mais c'est surtout son magnétisme qui est incroyable. Il est envoûtant. C'est le mot juste.
Oh là 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 là, je vois qu'il t'a fait toute une impression. Tu vas le revoir. Je sais pas. Mais... Ben, tout ce que je sais, c'est son nom. Christophe de Valmont. Christophe de Valmont. Oui, c'est romantique. Avec un nom pareil, là, il va sûrement venir t'enlever sur son cheval blanc. J'avoue que j'aimerais ça, faire l'équitation avec lui. Oui, c'est ça. L'équitation. Es-tu parti? Oui. Écoute, Marie, tiens trop loin d'un gars comme ça. Il est dangereux. Oh, je lui fais pas confiance, en tout cas. Je l'ai jamais vu dans le bout, lui. Disons qu'il est souvent dehors de la ville. Oh, que ça fait du bien. J'en avais tellement besoin. Puis, comment ça se passe avec David? C'est pas facile, Bruno. Il me surveille tout le temps. C'est la première fois que je prends une bière depuis qu'il est venu me voir. Il passe son temps à me parler de thérapie, de désintoxication. Je suis pas prête, Bruno. Tu comprends ça? Je suis pas prête. Mal. Avec ce que tu as vécu, ça va prendre du temps. Ouais, c'est ça que j'ai dit, mais il n'en est pas convaincu. Je passe mes grandes journées à rien faire. Puis la bonne qui me tourne autour. Eh bien, fine, Gabi, mais je suis pas un enfant. Je suis capable de prendre soin de moi tout seul. Je te le dis, Bruno, je suis en train de devenir folle. Ça fait que je leur ai dit que j'allais magasiner. J'espérais te trouver ici. T'as bien fait de venir. Lise, deux autres bières, s'il te plaît. C'est notre tournée, notre magasinage. La nouvelle Sunfire d'Asuna, construite pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. J'ai un rendez-vous galant ce soir. Elle ne me connaît même pas. Est-ce que je lui montre mon côté rationnel, nutritif, avec 100% de blé entier? Ou est-ce que je présente mon côté rigolo, bon goût, avec mon givrage sucré? Je veux qu'elle m'aime. Alors, présentez vos deux côtés, Monsieur Milliwit. Vous croyez? Oui. Soyez fiers. Montrez-les, vos Milliwit de Kellogg. Elle en redemandera. Elle m'aimera éternellement. Peut-être pas tant que ça, Monsieur Milliwit. Elle sera mon esclave d'amour. Oui, non, mais attention, vous exagérez. Bonjour. Chez McDonald's, on fait quelque chose de très, très spécial. Notre 25e anniversaire. Et pour nos 25 ans, ça nous fait plaisir de vous offrir notre fameux hamburger à seulement 25 cents à l'achat de n'importe quelle boisson. Alors, venez nous voir vendredi, samedi et dimanche. On vous attend. Et pour tous ces petits moments qu'on a passés ensemble depuis 25 ans, ben pour moi, là, j'en ai juste 17, ben c'est notre manière à nous autres de vous dire merci. Pourquoi tenons-nous tellement à ce que chaque tranche épaisse Singles de Kraft soit faite à partir de 7 onces de lait? N'est-ce pas évident? Tête, épaules, genoux, orteils, yeux, nez, bouche, oreilles. 7 onces de lait, c'est ce qui rend les Singles si bonnes. Les tranches Singles de Kraft, bien se nourrir pour bien grandir. Sunrunner d'Asuna, construit pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. Ben, où c'est que t'étais? J'étais inquiet. Je te l'ai dit, David, je suis allé magasiner. Ben oui, mais ça fait 4 heures que t'es parti. Oh, mais David, tu penses pas que je te... Je suis assez grande de partir pendant 4 heures tout seul. T'as rien acheté? Rien trouvé à mon goût. Où c'est que t'étais magasiné, hein?
Je vais répondre à tes questions plus tard, mon grain. Je suis fatiguée. Mais non, tout de suite. Où c'est que t'étais? Le souper est prêt. Tu poseras tes questions après le repas, David. J'y ai préparé son plat préféré. Du bon pâté chinois. Je le sais, c'est quoi le plat préféré de mon fils, Gabi? Je voulais pas mais dire... Non, c'est correct, Gabi. Je pense que ma mère a pris un verre de trop. Ben voyons pas toutes. Bon, je viens de prendre un verre pour dire que c'est ce que je pense. C'est pas ça, Gabi. Vous êtes un ange, puis je l'apprécie ce que vous faites pour moi, mais... Je pensais pas que ce serait plus normal que ce soit moi qui prépare le souper de mon fils. Je suis pas malade, vous savez. Même si tout le monde a l'air à penser que je le suis. Je m'excuse si ça vous dérange que je sois là. C'est juste que Julie m'avait demandé de m'occuper de vous. Bon. Je vais y aller d'abord. Le pâté chinois est dans le four. Je vais revenir demain pour le ménage. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Gabi. Comment t'as pu la traiter comme ça, hein? C'est une sainte, femme-là. Elle a le cœur sur la main. Elle faisait juste obéir aux ordres de Julie. T'étais pas obligé de faire sentir qu'elle était trop. Pauvre Gabi. Elle doit être morte de honte, là. Mais David, je suis désolée. C'est pas normal, à ton âge, d'avoir une gouvernante. Mais tout le temps que nous autres. Je suis capable de prendre soin de toi. Sûrement pas dans ton état, hein? J'ai rien pris de... arrête de mentir! Tu sens bien à 10 pieds! Je suis désolée. Mais je suis plus capable de rester enfermée ici. Ben... Je fais ça juste pour t'aider. Tu m'avais promis. Je vais la tenir, ma promesse. Mais laisse-moi un petit peu de temps, OK? Regarde. Julie m'a envoyé de la documentation sur les maisons de désintoxication, hein? Tu devrais y jeter un coup d'œil. Il y en a de très bonnes. C'est bien fait, mon grand. Je sais que tu fais tout ça pour moi. Je vais aller regarder, mais plus tard, OK? Allez me reposer, là, un petit peu. Hey! Garde-moi du pâté chinois, hein? Pas de problème. En tout cas, je te dis qu'Alexandre m'a trouvé bien mystérieux au téléphone. Ça a été pareil pour Linda. Je te dis que quand je lui ai dit là, que j'avais quelque chose à lui annoncer, là, attends, ça a attends, piqué sa curiosité. Ouais. Ouais. J'ai hâte de voir leur réaction. Hein? Ben, ça risque d'être drôle, effectivement. Mais je pense qu'on a fait un excellent choix. En les choisissant là, comme parrain et marraine. En tout cas, je regarde pour ma décision. J'ai confiance en Alexandre. Je suis sûr qu'il va prendre la chose au sérieux. Ouais. Puis Linda va être folle de joie. Elle qui adore les enfants. Ah, tiens, en parlant du loup. Alexandre! Salut, Charles. J'espère que je suis pas trop en avance. Non, 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 t'es juste à l'heure, là. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Je suis contente que t'aies accepté notre invitation. Charles avait l'air bien mystérieux au téléphone. Vous me cachez quelque chose, vous deux? Ben, disons qu'on a une proposition à te faire. Ben, viens t'asseoir. Tiens. Je t'ai apporté des chocolats. Ben, fallait bien que je trouve une alternative à l'éternel bouquet de fleurs. Merci, Alexandre. Est-ce que je peux t'offrir une coupe de champagne? Ah, volontiers. Est-ce qu'on attend quelqu'un? J'ai vu que la table était mise pour quatre. Oui, justement, une copine à moi, Linda. Elle devrait être là d'une minute à l'autre. Linda? Oui, c'est Linda. Elle va venir bientôt, là. Tu vas tout comprendre. Oh, patience, oh. Alexandre. Le mystère va bientôt être résolu. Salut! Allô? J'espère que je suis pas trop en retard. Ma maudite voiture, elle voulait pas partir. Oh. Tiens, c'est pour toi. J'ai pensé que les fleurs, ça serait exagéré vu les circonstances. Décidément, j'ai des amis prévenants. Alexandre a eu la même pensée. Alexandre? Oh, bonjour, Monsieur Léonard. Bonsoir. Ça me fait plaisir. Oh, c'est tout un honneur pour moi de vous rencontrer. J'ai tous vos disques à maison. Vraiment? Oui. Oh, j'adore ça. Et mon Dieu, je suis toute énervée! Ah, tiens, 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 assieds-toi, là. Est-ce que tu prendrais une coupe de champagne? Ah oui, j'en prendrais bien un verre, s'il vous plaît. Bon. Hey, Jim, il est bien désolé, il pourra pas venir. Il y avait une grosse job de filature à soir. Jim, Jim Prévost, le détective? Oui. Vous êtes sa copine? Oui, c'est moi. Ah ben, ça, c'est un vrai professionnel, hein. Vous le remercierez de ma part, oui. Pour son travail. Certain que je vais y faire le message. Merci. Alors... Est-ce que vous allez enfin nous le dévoiler, votre fameux secret? Oh, oui. J'avoue que je suis pas mal curieuse de savoir de quoi il s'agit, moi. Eh bien,
Eh bien, voilà, bon. On a... D'un commun accord, on a décidé de... Oui, de vous demander si vous accepteriez chacun de votre côté d'être le parrain et la marraine de Philippe. Hein? Moi? Oui. Vous êtes pas sérieux? Tout à fait sérieux. Et puis, on espère que vous allez accepter. Parce que vous êtes vraiment deux personnes qui nous sont très chères. Oui, et puis parce que vous êtes également deux personnes à qui on a entièrement confiance. Et comment si j'accepte? Oh, Patricia, t'es tellement fine d'avoir pensé à moi. Oh, je te le jure, tu le regretteras pas. J'en doute pas. Je te remercie, Charles. Merci beaucoup pour ta confiance. Je te décevrai pas. Je sais, Alexandre. Bon, ben, je porte un toast maintenant. Au parrain puis à la marraine. En espérant qu'ils vont aimer le petit Philippe autant que nous. Ça. À Linda. Oui. Petit Philippe. À Alexandre. Oui. À Philippe. À Philippe. Bien sûr, le baptême n'aura pas lieu tout de suite. Philippe doit rester à l'hôpital pour quelques semaines encore. Ah, moi, ça va me donner le temps de penser à tout ce que je vais pouvoir y acheter. N'importe quoi, sauf des toutous. Bien sûr, on apprécierait si ben, vous étiez disponible pour garder à l'occasion, tous les deux ensemble. Ah, pas de problème. Ah, bon. Je pense que dans ce domaine-là, je vais avoir besoin de votre aide. Ah, ben on gardera deux, trois fois ensemble. Je vais vous donner des petits conseils de base. Bon. Ben, ça, c'est réglé, là. Je suis content vraiment. Et Patricia aussi, que vous ayez accepté spontanément, là. Ça prouve que notre choix était pertinent, hein? Oui. Bon, ben, si on passait à table maintenant, hein? Ouais. Le souper est prêt. Comme ça, vous appréciez la musique classique. Ah, moi, j'adore. Ben, vos œuvres en particulier, là. Ah, ben, si vous voulez, je vous donnerai des billets pour mon prochain concert. Oh, ça serait super. Je pense que la glace est brisée. Ouais, oui. Salut, Minou. As-tu passé une bonne journée? Oui, oui. Ben voyons, qu'est-ce que t'as? Je t'ai menti, puis tout. J'ai pas passé une bonne journée. J'ai eu une journée épouvantable. La mère de David, elle m'a quasiment mise à la porte. Hein? C'est quoi, cette histoire-là? Ouf, c'est de ma faute aussi. J'en ai peut-être trop fait. Arrête de te culpabiliser, là. Puis raconte-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La mère de David est rentrée de magasiner en fin d'après-midi. Dès qu'elle a mis les pieds dans la maison, là, David puis moi, on s'est vite rendu compte que son histoire de magasinage, c'était pas vrai. Elle avait été prendre un verre et était pas mal éméchée. Mais moi, j'avais préparé son pâté chinois. Tu sais comment David aime ça. Quand sa mère a su ça, elle m'a clairement fait comprendre qu'elle était capable de s'occuper de David puis de l'appartement. Bref, elle était tannée de me voir dans la maison. Mais oui, mais tu me dis qu'elle était saoule. Elle savait peut-être pas ce qu'elle disait. Mais certain qu'elle savait. Même David avait honte. Il avait beau essayer d'excuser le comportement de sa mère, mais je voyais bien qu'il était furieux. Tu parles d'une histoire, puis toi qui se donne tellement de mal pour essayer d'être discrète. Je la sentais nerveuse, elle, depuis quelques jours. Elle tournait en rond dans l'appartement. Oh, c'est pas une vie, ça, de rester enfermée comme une prisonnière. Pauvre elle, ça doit pas être facile. Ouais, regarde ce qui arrive quand elle sort, elle part sur une balloune. Ils ont bien raison de la surveiller. Mais non, je le sais, puis tout, mais ça doit pas être facile, pareil. Surtout qu'elle essaie de l'oublier, son couleuvre, mais moi, je vois bien qu'elle y pense encore. Elle en rêve même la nuit. En tout cas, je suis bien content qu'elle nous en ait débarrassé. C'est sûr qu'on doit pas se réjouir du malheur des autres, mais laisse-moi te dire que... Moi, je me sens soulagé de le savoir mort. Et qui me faisait peur, ce gars-là. T'étais pas la seule. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que tu devrais refuser de retourner travailler là. Ça veut pas te voir, ben parfait, ça va te donner un break. Oh. On se voit presque plus, nous. Mais oui, je le sais, puis tout. Mais là, l'argent se fait rare. Pis... Julie a été tellement bonne pour moi. Je faisais ça pour y rendre service. Mais tiens, tu devrais aller y expliquer la situation demain. Je suis sûr qu'elle va trouver une solution. Moi, t'as raison. Hein? Bon, puis dans le fond, c'est pas si dramatique que ça. C'est normal que cette femme-là ait envie d'être seule avec son fils. Ils sont perdus de vue pendant tellement de temps. Craig Abbey, toujours prête à défendre les autres. Mais tiens, à soir, je t'invite au restaurant. Ça va te changer les idées. Oh, ça va être merveilleux, ça, puis tout. Surtout que j'ai pas envie de faire la cuisine. Mais est-ce qu'on peut se le permettre? Oui, Jim m'a donné mon chèque aujourd'hui. Hein? Hein? Mm. Et en plus, tu le mérites. Si les autres savent pas t'apprécier, ben moi,
Oui. Ah oui, va te préparer. À soir, je t'assure. Oh, merci, Vito. Mon grand, tu veux me faire plaisir? Ouais. Tu me fais un beau grand ménage du garage. Tout ce qui traîne, là, tu mets ça dans les poubelles. Tout! Tout. Quand même pas faire ton ménage habillé de main, hein? Pour la performance et l'économie, voyez la Storm chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'aimerais bien ça qu'on me vole mon coussin. Bonsoir et les parties! Une bonne alimentation, un peu d'exercice et la méthode Nutribar, ça peut faire baisser votre moyenne de plusieurs livres. Vous aussi, vous pourriez lui dire « Bonsoir, elle est partie. » Nutribar, la méthode qui va droit au but. Moi, quand le rhume me prend, je peux pas me permettre d'être encore plus lent. Alors, au lieu de prendre quelque chose qui me ralentit, eh bien, je prends plutôt Sudafed. Sudafed, la famille de produits qui soulagent les symptômes du rhume sans causer de somnolence. C'est important pour moi. Oh, oh. Surtout pendant la saison de la chasse aux escargots. Ne vous faites pas prendre. Prenez Sudafed. Bonjour, belle-maman. Vous mangez de bon ce matin? Des muslix de Kellogg. Des céréales comme on en fait chez nous. Vous ne pouvez pas vous en passer de votre pays, hein? Je suis faite comme ça. Et vos muslix, elles sont faites comment? C'est bon. C'est fait avec 5 grains grillés, des raisins mûrés au soleil et d'autres ingrédients nourrissants. Muslix. Ça a le goût de mon pays. J'ai le goût de le connaître, votre pays. Muslix de Kellogg, une nouvelle tradition au déjeuner. Écoute, je le sais que t'es là. Attends-moi. Attends-moi. Va-t'en pas. Va-t'en pas. Voyez la grande âme GT93 chez votre concessionnaire Pontiac. Pontiac, la passion de conduire. Richard, mon chéri, j'ai un petit voyage à te proposer. Bon, écoute, je t'arrête tout de suite. Mes finances ne me permettent pas d'envisager des vacances en ce moment. Oh, mais il ne s'agit pas de vacances, non, non. J'aimerais beaucoup ça que tu m'accompagnes. C'est à 1 heure de Montréal. Ah, mais ces jours-ci, c'est plus mon rayon d'action, ça. Et où est-ce que tu veux m'emmener? Eh bien, chez un ami, Denis Lacroix. Il est propriétaire d'un petit ranch, enfin, un centre d'équitation, si tu veux. Je suis sûre que ça t'intéresserait. Écoute, je sais pas, tu me prends un peu au dépourvu. Tu sais, moi, la vie à la ferme, c'est pas tout à fait mon style. Hein. Je suis plutôt du genre citadin. Oui, mais qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais eu l'occasion de vivre en pleine nature? Peut-être que t'adorerais ça? Mais fais-moi plaisir. Accepte au moins de m'accompagner. Comment est-ce que je pourrais te refuser quelque chose? Mais dis-moi, d'où vient cet intérêt soudain pour visiter un ranch? Je soupçonne qu'il y a autre chose que l'envie de revoir un ami. Eh bien, j'ai réfléchi depuis quelque temps. Et que dirais-tu si je vendais mon emplacement à Val-d'Or et que nous achetions le centre équestre de mon ami Denis? Je sais qu'il cherche un acheteur. Écoute, dis-moi que tu me fais marcher, là, c'est une blague. Mais non, mais pas du tout. T'as pas envie de refaire ta vie, Richard? Loin du stress, la cohue de la ville, loin de tes ennemis. Que nous repartions sur une base solide et plus simple, tous les deux. Pour ma part, c'est mon souhait le plus profond. La remarque vue de cette façon-là, c'est plutôt intéressant. Mais je me sens pas du tout la vocation d'un fermier. Ah, je suis pas inquiète. Je suis sûre que je peux te transformer en gentleman farmer. Et maintenant au lit, parce que demain matin, je veux que nous quittions vers 6h30. Pardon, ben bravo. Oui. Veux-tu bien me dire dans quoi je me suis embarqué, moi? Salut. Salut.
Tu viens faire le site à cette heure-là? Oh, il fallait que je t'annonce la bonne nouvelle. J'arrive de chez Patricia Pichard. Tu devineras jamais. Ça a l'air énervé. Qu'est-ce qu'ils ont pu te dire pour te mettre dans cet état-là? Jim, Charles et Patricia m'ont demandé d'être la marraine de leur bébé. Quoi? Oui. Tu vas être la marraine d'un Debré. Ah oui, monsieur. Et puis c'est Alexandre qui va être le parrain. D'ailleurs, il te salue et te remercie pour ton intervention. Moi, tu sais, j'ai juste fait ma job. Mais j'en viens pas. Ma Linda qui vient d'entrer dans la famille Debré. Ah, ça veut dire qu'il va falloir aller au baptême. Mais certain. Mais c'est ça, il va falloir que je commence à me chercher une robe. Ça me prend une belle robe, tu sais. Tu sais, comme avec ces femmes-là, ils s'habillent bien. Toi aussi, il va falloir que tu t'achètes un bel habit. Non, mais c'est ça. Moi, je vais être obligé de me déguiser en pingouin, hein? Oh, tu vas le faire pour moi, hein? Alors, Patricia, es-tu assez fine d'avoir pensé à moi? Tu sais, j'aurais pensé qu'étant dans le grand monde, de même, elle m'aurait oublié. Ben non. Non seulement elle m'a pas oublié, mais elle a jamais eu honte de moi. Puis j'en ai eu la preuve aujourd'hui. Je te dis des amis de même, là. Faut le faire attention. En tout cas, elle le regrettera pas. Je vais être une bonne marraine. Ah, oh, tu vas être bien bonne dans ce rôle-là, toi. T'adores les enfants. Tu vas enfin en avoir un à gâter, là. Hey, ça va être formidable. Te rends-tu compte? Les fêtes, les Noëls, les anniversaires. Jim, ça t'arrive pas des fois de vouloir en avoir un enfant? C'est sûr que j'y ai pensé, mais... Avant de faire un enfant, faut être bien sûr d'en vouloir. Parce qu'un enfant non désiré, ça fait un adulte fucké, ça. J'ai assez vu de jeunes traîner dans les rues à 15 ans parce que c'est pas vivable chez eux. Non, Linda, je vais être bien installé avant de faire une famille, moi. Oui, mais... Mais ça veut dire que t'en veux un jour, hein? Dis-moi, Linda. Si jamais j'ai un enfant, ça va être avec toi, Linda. C'est la plus belle affaire que tu m'as dite depuis longtemps. C'est important pour moi. Pour moi aussi, tu sais. J'ai jamais dit ça à personne. Et ça t'arrive pas des fois de tout vouloir laisser tomber? Je sais pas, moi, partir en quelque part, c'est qu'il y a personne qui te connaît, là. Il y a personne qui te juge. C'est mon rêve à moi, ça. Effacer mon passé, oublier, là, qui j'ai été. Puis recommencer en neuf, là. C'est Linda, ça fait un bout de temps que je ramasse mon argent. Je te promets qu'un jour, on va vivre comme tout le monde. Le bungalow, la piscine, le station wagon, le barbecue, OK? On va-tu pouvoir avoir un chien aussi? Ah là, t'es pas mal exigeante, là. Oui. Un chihuahua. Oh oui, un Salut! Danny, je te présente Richard Pincourt, Richard Denis Lacroix, un vieux copain. Enchanté. Enchanté, Richard. Dis donc, êtes-vous un passionné des chevaux comme Jean? Oui? Non, pas tellement. Enfin, disons, pas pour l'instant. Je suis surtout venu pour lui faire plaisir, en qualité d'observateur. L'écoute pas, Denis, parce que c'est une stratégie de négociation. Si je l'écoutais, là, il passerait la journée à cheval. Comme ça, t'as décidé de vendre ton centre? Eh oui. Qu'est-ce que tu veux? Toute bonne chose a une fin, hein? Tu sais que ça fait déjà 10 ans que j'exploite la ferme. Je pense que j'ai fait mon effort. Puis, comme tu sais, Jeanne, j'ai d'autres commerces que j'ai négligés, faute de temps. Et puis, la vérité, c'est que ma blonde aimerait bien ça qu'on aille s'installer en Arizona. Puis moi aussi, ben, ça me tente. Donc, es-tu vraiment intéressé à acheter, toi? On sait jamais. Si ton prix est abordable... Pas vrai, Richard? Oh, moi, je vous écoute. Hein. Ne vous occupez pas de moi. Je regarde ton ami, là, puis j'ai l'impression qu'il joue à l'indépendant pour faire descendre mon prix. Aimeriez-vous visiter? Ça me ferait plaisir de vous montrer ça. C'est pour ça qu'on est là. On veut faire le tour du propriétaire. Bon, ben, allons-y. vous venez, Richard? Ah, mais bien sûr. Moi, je suivrai Jeanne, même à cheval. Regarde.
était là. 7 ans. Le plus beau. Le roi des ifs. C'est magnifique. Ouais. J'aime bien un petit peu tout l'année. Oh, qu'il est beau. Voilà. Tiens, viens voir celui-là. Des belles bêtes d'Europe élevées pour le sport. Tiens, regarde-moi ça, la souplesse de cette bête-là. Là. La force physique aussi, hein? Beau, hein? Ce sont toutes des belles bêtes de race. Ouais. On a 11 enfants de terre, ma culture maraîchère. Ouais. Quel endroit, même. Je me suis Richard! Ah oui, je fais ce que je peux, hein? Puis, est-ce que votre visite vous a plu, monsieur Pincourt? Inoubliable. Santé! Suite à l'accord de Charlottetown, de nouvelles propositions constitutionnelles voient le jour. Ces propositions cherchent à refléter les besoins et les aspirations de tous et chacun. C'est à vous d'en juger. Mais le dossier est complexe et c'est votre droit d'être bien renseigné pour mieux comprendre. Pour obtenir un résumé facile à lire de cette nouvelle entente constitutionnelle, téléphonez sans frais au 1-800-561-1188. Il s'agit de votre avenir. J'aimerais que Hydro-Québec continue de s'impliquer dans la promotion de « On économise l'énergie ». Le message n'a pas fini de passer. Donc ça, pour moi, c'est important que Hydro-Québec, ce ne soit pas une passade, mais qu'Hydro-Québec continue de promouvoir ça encore pour les décennies à venir. Nous croyons à l'efficacité énergétique parce que nous savons que c'est la meilleure façon d'améliorer notre consommation. Hydro-Québec, le meilleur de nous-mêmes. Moi? J'aime bien me faire plaisir et je trouve ça formidable ce qui se passe chez Saint-Hubert. Merci. Regardez-moi ça, les portions sont plus grosses, plus de poulet. Oui, chez Saint-Hubert, les portions sont plus grosses. Plus de poulet, plus de frites. Et la salade de choux est maintenant servie à volonté. De quoi combler les plus affamés. Saint-Hubert, tu nous donnes le goût. Et puis la salade de choux est servie à volonté. Sublime. Je pense que la seule chose qu'on avait en commun, c'était les voitures. Juste à le voir marcher autour de ma stette, je savais qu'il n'y en avait jamais vu une comme ça. Là, il me dit, c'est ça, ta nouvelle voiture. Comme si ça avait été une auto louée. Mais je connais son petit jeu. Et quand j'ai parlé du double turbo puis des 300 chevaux du moteur, il me dit, c'est pas juste une question de vitesse, mon gars. Encore une fois, il avait rien compris. Ensuite, il me fait entrer dans sa vieille grange. Le vieux ratoureux avait gardé une Plymouth Superbird 70. Elle était comme une neuve. Quand il m'a parlé de son 426 Hemi, j'ai pas pu résister, j'ai dit « OK, pas. » J'ai impressionné. Mais c'est pas juste une question de vitesse. Il m'a répondu en rien. « Je sais, mon gars, mais écoute ce son-là. Tu peux pas aimer ça. Ça devrait toujours être comme ça. » Chrysler vous propose une nouvelle génération de voitures performantes. La Laser, la Viper, la Stealth, la Daytona. Le retour des vrais.
Alors, Richard, qu'en penses-tu? T'as pas été très loquace dans la voiture. Oh, excuse-moi, c'est que je réfléchissais. Je dois admettre que la visite a été pour le moins impressionnante. Mais Jeanne, nous n'avons pas les moyens d'acheter ce ranch. Tu sais que moi, personnellement... Oh, t'occupe pas de l'argent. Avec la vente de ma propriété et une bonne hypothèque, nous pourrions réaliser ce projet. Tout ce que je veux savoir, c'est si t'es intéressé à faire ta vie avec moi. Ben voyons, c'est une question superflue, ça. Tu connais mes sentiments, mon amour. Oh, non. On n'attend personne, pourtant. Bouge pas, je vais voir ce que c'est. Ah oui, de quoi s'agit-il? Êtes-vous Richard Pincourt? Oui, c'est bien moi. Monsieur Pincourt, nous avons un mandat d'arrestation contre vous pour fraude, vandalisme et voies de fait grave. Oh non! Oh, Richard! Robert Bourassa, Jacques Parizeau, le débat des chefs, le face-à-face, dans quelques instants.